part en miettes partout. Voilà, c'est du calcaire sédimentaire, ça. Voilà. Ça se. Il n'y a rien d'étonnant à ce que ça soit dans cet état là maintenant. C'est sûr. Déjà, rien qu'en une décennie, avec cette roche qui est hyper friable. Donc si ça a fait des centaines d'années, ou voire même des millénaires, il n'y a rien d'étonnant à ce que ça soit comme ça. Parce que vu de loin, c'est hyper flagrant. Et quand on est dessus, c'est là que le doute s'installe vraiment, quoi. Hervé, viens voir. Ah, Otto qui découvre toujours des choses. Je sais pas. La pluie, le gel, la neige, l'érosion, ça se casse au fur et à mesure, voilà. Ce qui fait que ça donne toutes ces aspérités et... Peut-être qu'avant c'était plus régulier que ça et que... À l'air libre, ça s'est progressivement dégradé. Et là, on le voit bien. Regardez comment ça s'effrite, regardez ça. Ça part comme un rien. On cherche, hein. On essaie de comprendre. Peut-être que c'est tout ce qu'il y a de plus naturel et... Impressionnant. C'est un truc de fou. Je sais pas. Après, j'y connais que dalle. On n'est pas des géologues, c'est ça. On peut pas tirer des conclusions. C'est de l'observation pure. Et d'après ces observations amateurs, on essaie de comprendre un minimum. Mais là, ce qui est quand même compréhensible, c'est qu'avec le temps, on peut très facilement s'imaginer que ça s'est détérioré. Voilà, parce que c'est... On n'invente rien, c'est de la roche qui se casse très facilement. Alors, est-ce que les anciens, justement, bâtissaient ces monuments sur ces points spécifiques? Ça, oui, je pense. Après, comment ils le savaient? Ça, c'est encore une autre histoire. Ce qui nous amène à penser, encore une fois, et Adrien, tu vas être d'accord avec moi, c'est que l'histoire qu'on nous enseigne depuis petit est une histoire complètement erronée. C'est ce que je dis depuis le début. Et puis, on étudie ce qu'on voit, on observe. On inspecte. On inspecte, on explore. Voilà. Pour l'instant, c'est... Voilà, on ne peut pas dire grand-chose d'autre. Naturel ou artificiel. Vous voyez, la première fois je suis venu seul, bon, j'ai observé, je suis reparti assez perplexe, et là c'est un peu le cas aussi. Nous là on n'est pas en mesure d'affirmer que c'est une pyramide. On est nullement en mesure d'affirmer ça. Pas au stade où on en est là, en tout cas. Je me suis beaucoup aidé d'une vue satellite. Bon, on la voit pas très bien, mais j'ai essayé un peu de m'imaginer la structure de cette forme pyramidale. Et alors, les quatre faces se rejoignent en un sommet vraiment bien distinct. Les arêtes sont dessinées. À vue d'œil, on dirait vraiment que les quatre faces ont exactement la même inclinaison. On va essayer de découvrir l'inclinaison exacte, ce serait bien. Alors la question qui revient forcément, c'est est-ce que la nature est capable de façonner ça, c'est-à-dire une colline orientée par rapport aux points cardinaux, avec quatre angles bien distincts, donc des faces qui ont l'air symétriques, qui se rejoignent sur un sommet. Est-ce que la nature est capable de faire ça? Peut-être. Sur les millions et les millions de montagnes à travers le monde, il se peut qu'effectivement, à un certain endroit, ça tombe pile poil et voilà. Le peu que j'ai observé la dernière fois, je n'ai vu aucun bloc. Tout à l'heure, on s'est divisé en deux groupes, histoire de couvrir un maximum de terrain. Et aucun de nous n'a vu un bloc, quoi que ce soit. C'est vraiment que de la roche. C'est vraiment que de la roche. Donc voilà, nous repartons. Donc on repart toujours avec la même sensation, cette même impression qui nous laisse tous très perplexes. On
on est dans un gros doute parce qu'on n'a pas trouvé suffisamment d'éléments qui nous permettent d'aller vers cette conclusion. Malgré le fait que, bon, évidemment, voici Otto qui revient tant bien que mal de cette descente périlleuse. Mister Otto. Ben, moi je pense que les recherches ont été un peu difficiles et j'espère quand même retourner une prochaine fois pour encore essayer, mais c'est très très dur. On n'a pas assez de preuves pour prouver quoi que ce soit. Et donc voilà, c'est tout. Une prochaine. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont à la fois dans le sens de l'hypothèse de la pyramide. Et puis quand on est dessus, c'est vrai que n'importe qui comprendrait qu'il n'y a aucune construction, il n'y a aucun bloc, il n'y a rien de tout cela. C'est vraiment naturel. Donc, pas évident du tout. Pas évident du tout. Et nous nous rendons donc sur place, sur cette étrange forme pyramidale. Et donc, avant d'y aller, ben, il y a ces étranges formations. Alors, on est en train de se poser la question, savoir si c'est naturel ou autre. Mais bon, ça pourrait être naturel. Hein. Dans certaines régions, on trouve... oui, c'est vrai que c'est bien plat. Hein. On trouve des formations de ce type. Donc voilà, on est toujours dans une démarche de savoir... voilà, si oui ou non, on est bien en présence de quelque chose ou pas. Ça a l'aspect de roche fondue. De roche fondue ? Ouais, c'est de la roche fondue. Marrant ces trous quand même. Ouais, ouais. Il y a des trous partout. Donc pour toi, ce serait plus naturel qu'autre chose. Ouais, c'est naturel. Tu vois, là, par exemple, si ça avait été façonné, par exemple, là, tu vois, il y a une protubérance. Ouais. Qui n'y serait pas. Là, c'est légèrement creusé. Ils auraient vraiment fait, alors, à ce moment-là, quelque chose de parfait, puisque c'était à peu près parfait. Donc, ils auraient pu faire beaucoup mieux que ça s'ils l'avaient fait. Ça, c'est quelque chose... On dirait de la roche fondue. Ça vient du manteau magmatique, quelque chose comme ça, qui fait que ça a eu une belle, un bel aspect. Un aspect presque travaillé. Recouvert de terre, comme ça, là, ça demande presque qu'à être... désenseveli pour réapparaître, hein, quand on voit cette terre là-dessus, on peut penser que derrière il y a la même chose. Ouais, parce qu'on pourrait limite croire que c'est comme des petits blocs assemblés, alors qu'en fin de compte, ouais, c'est une pierre, en fait. C'est une seule, c'est un monolithe, quoi, entre guillemets. C'est une pierre, hein. C'est une seule roche. Vous pouvez voir ici ce que je vois. C'est une pierre, alors ce qui est marrant, c'est ces trous. Alors ça fait des espèces de... Alors ça, c'est caractéristique des roches fondues, ces aspects un peu ronds comme ça. C'est marrant, ouais. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Bon. Des fois, la nature nous offre des choses joliment présentées. Finalement, on a la même chose que les montagnes avoisinantes, hein, à part qu'on a des arêtes bien, bien tracées. On a vraiment une forme... assez proportionné, on va dire, de selon les faces. On va s'approcher un peu plus, on sera à même de juger un peu plus près. C'est parti. Pourquoi venir faire une pyramide ici sans qu'on trouve rien d'autre aux alentours qui justifierait le passage d'une population assez importante? Ouais, parce que les formations rocheuses qu'on a vues là-bas, on aurait pu croire que... On aurait pu croire, ça peut faire penser, effectivement. Ça peut faire penser à un travail, elles sont bien inclinées, tout ça. Bon, il y a des défauts quand même de structure qui font voir que c'est naturel. Parce que si ça avait été fait de la roche un peu fondue comme ça, de façon artificielle, ils auraient porté des détails à ce que ce soit droit à certains endroits où il y a des renflements. Or là, apparemment pas. Il y a vraiment quelque chose de pyramidal. En plus, bon, on voit les strates là, sur le côté. Hein, qui veut dire que toute cette masse était déjà positionnée horizontalement et qu'elle s'est relevée, mais que cette masse fait partie d'un tout. Ça n'a pas été
construits. Ce n'est pas des blocs qui ont été amenés. Alors, est-ce qu'une montagne a pu être façonnée de façon à ressembler à une pyramide? Ça, c'est possible. Et ça, c'est déjà plus difficile à détecter. Il n'y a aucune construction, ça, c'est clair et net. Et là, tu vois, elle se termine ici, bon, dans l'arrondi. Hein, ça, c'est typique sur des collines. Hein. Là, ils ne l'ont pas fait aller plus bas, donc... Bon, déjà, ces strates-là, c'est un point très important hein, qu'on voit, parce que... Bah, il y en a de l'autre côté aussi. À supposer que ce soit une pyramide, à supposer qu'il y ait eu une entrée, elle est tellement érodée par le temps que c'est bouché, tout ça. Que ça aurait pu se boucher avec le ruissellement. Ce qu'on peut trouver, c'est des zones où la végétation a une couleur différente, etc., où il peut y avoir de l'humidité, des cavités, etc. Donc c'est sûr que là, un drone, ça aurait été intéressant parce que ça aurait pu permettre de voir s'il y avait des bouquets de végétation à des endroits. Il y a beaucoup de gel et de dégel ici et que c'est une roche qui présente des aspérités dans lesquelles l'eau peut rentrer et elle peut geler et faire tous ces éclats. Donc c'est-à-dire déjà c'est quelque chose qui s'érode relativement vite. Ah oui, non mais ça on l'avait déjà constaté les premières fois. Ouais, ça s'érode vite. On voit partout, voilà, tous ces petits fragments de roches. Même là c'est gelé. Parce qu'on est le matin, c'est encore gelé. Donc, quand on voit les blocs, on voit comment ça se fait. Il y a des fissures qui apparaissent dans les blocs. L'eau rentre. Le gel fait augmenter le volume de l'eau. Donc ça casse et puis voilà. Ah oui, ça part en miettes. Partout, c'est partout sur toute la surface. Donc voilà, on s'est installé bien tranquillement au sommet de cette forme pyramidale. On a mangé. Le fait de venir une troisième fois fait que bon, il y a toujours évidemment ce doute. Hein. Voilà. On ne peut pas tirer de conclusion. Si c'est une montagne, bon ben elle rassemble d'incroyables cohérences, mais bon, le fait qu'il y ait des choses qui soient cohérentes font qu'elles ne sont pas automatiquement vraies, véridiques en tout cas. Voilà, donc dans tous les cas, de par l'aspect de cette forme pyramidale, niveau énergétique, je ne me pose pas trop de questions là-dessus. C'est vraiment en rapport avec l'authenticité d'une pyramide. Voilà, là c'est vraiment toujours cette question. Je suis venu une première fois, une deuxième fois, trois fois aujourd'hui, et à chaque fois, ben, c'est toujours le doute. Toujours le doute. On va se poser, on va essayer de ressentir le lieu. Ouais, voilà, on vient de descendre. On quitte les lieux. Enfin, t'as quelque chose à dire en particulier? Bah, l'endroit est très intéressant, très ressourçant, c'est reposant, c'est... Énergétiquement parlant? Ouais. C'est très intéressant au niveau énergétique. Et après, la forme pyramidale, bon, elle est indéniable. Hein, y a une forme pyramidale. On se sent tout de suite bien, tout de suite apaisé. On est connecté directement à la nature. On a un bon ancrage, donc on a des idées assez calmes. Et puis on a une vue qui s'ouvre sur le paysage qui est 360 degrés autour quand on est au sommet. Hein. Donc c'est vrai que c'est quand même... Disons qu'on est récompensé de la montée qu'on a faite. ça c'est clair. Oh, regarde ça. Alors ça c'est joli, ça. Ouais, un beau fossile. Ah ouais. Un coquillage. Tu vois, c'est bien, comme on a vu tout à l'heure, des cailloux. Ah ouais. Il y a bien la mer ici. Hein. Ouais, bah c'est clair, ça. Là, ça, en plus, là, il est... Ça, il n'y a pas à discuter sur ça. Voilà, donc j'ai découvert cette forme, je m'y suis intéressé. C'est vrai que bon, c'est du 50-50 après, hein, on ne sait pas. Mais au moins, disons qu'on a eu le mérite de se,
de se pencher sur la question, voilà, de vérifier par nous-mêmes, de nous rendre sur place pour nous faire notre propre idée. Voilà. Sur ce, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a quand même plu et on vous dit à la prochaine. Allez, à plus.